وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, comme prévu, nous allons aborder un thème qui est très important, qui est même vital. Donc, ça va être un court rappel, mais d'une extrême importance, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Le sujet du cours sera sur, ou tournera autour de, At-Taqwa wa Zuhd. At-Taqwa, on va le définir, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. C'est ce qu'on traduit généralement par la piété. Wa Zuhd, on le traduit de manière générale par l'ascétisme. Et on va voir à quoi ça renvoie, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Alors, comme trame de fond de ce cours, je me suis appuyé sur un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith qu'on va essayer d'expliquer ensemble, c'est un hadith pilier concernant le comportement à avoir face aux règles religieuses. Et ça, c'est directement lié à la piété, comme on va le voir, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Je vais vous citer le hadith en arabe, ensuite on va essayer de le traduire en français et l'expliquer, Inch'Allah. عن النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولا الحديث عن العرب حديث rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. D'après Nu'man ibn Bashir رضي الله تبارك وتعالى عنه, lui et son père, Allah les agrée tous deux étaient des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes, le halal, le licite est clair, et l'illicite est clair. Et il y a entre ces deux choses, des choses, on va dire, ambiguës. Ambiguës pas intrinsèquement, mais ambiguës dans la compréhension des gens. Que beaucoup de gens ne savent pas, c'est-à-dire ils ne connaissent pas le caractère religieux de ces choses-là. Alors celui qui se prémunira de ces choses douteuses aura préservé son honneur et sa religion. Et celui qui s'aventurera dans ces choses douteuses s'aventurera en fait dans les choses interdites. Et le prophète a donné un exemple, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est comparable à un berger qui fait paître ses moutons aux abords des limites. Et il se peut qu'une de ces bêtes aille paître dans l'enclos du voisin. Puis le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et chaque roi, chaque propriétaire et chaque roi a un enclos délimité. Et l'enclos d'Allah, tabarak wa ta'ala, ce sont ses interdits qu'il a délimités dans le Coran. Et il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, alors tout le corps le sera. Et s'il est corrompu et mauvais, alors tout le corps le saura, et ce morceau de chair est le cœur. Voilà le hadith, littéralement. Alors, il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith. On va essayer d'y aller, Inch'Allah, pas à pas, sans être trop fastidieux. La première chose qui saute aux yeux, c'est que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le halal est clair et le haram est clair. Et il y a entre eux, les deux, des choses mutashabihat, comme on dit. Des choses douteuses. Qu'est-ce qu'on appelle, ou qu'a voulu signifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit des choses claires? Des choses claires, c'est-à-dire que le commun des musulmans
connaissent la licéité de ces choses. Comme par exemple, les fruits et les légumes. Est-ce qu'un musulman doute sur la licéité de ces choses-là? Non, tout le monde le sait. Même le plus ignorant des ignorants. Comme par exemple, les choses que l'on fait dans la religion, comme la prière, comme le jeûne, comme les actes de bien. Toutes ces choses-là, tout le monde sait que c'est licite. Alhamdoulilah. Donc, c'est la première catégorie. Sur celle-ci, il n'y a pas de problème. Puis, à l'opposé, il y a les choses interdites qui sont claires, claires comme de l'eau de roche. Comme par exemple la mécréance. Comme par exemple la consommation d'alcool. Est-ce qu'un musulman ignore ceci? Non. Donc c'est clair. Est-ce qu'on a besoin de faire 10 ans d'études pour savoir que l'alcool c'est interdit? Non. Non. Donc, on a ces deux antagonistes. Et ensuite, et c'est là où est le problème, on a entre ces deux choses-là des choses ambiguës. Ces choses ambiguës, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de gens ne connaissent pas le caractère juridique de ces choses ambiguës. Beaucoup de gens. Alors là, il faut bien comprendre. Quand le prophète a dit beaucoup de gens, ça ne veut pas dire que peu de gens les connaissent. Il faut bien comprendre. Beaucoup de gens ne les connaissent pas, ça n'implique pas forcément que peu de gens les connaissent. Il peut y avoir aussi beaucoup de gens qui les connaissent, notamment les savants. Mais c'est un fait, beaucoup de musulmans, une masse énorme de musulmans ne connaissent pas ces choses-là, pour plusieurs raisons, comme on va le voir, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Ces choses ambiguës, elles se révèlent sous plusieurs aspects. Soit parce que le dalil est faible, le dalil, la preuve qui vient appuyer ce statut juridique, il est faible, un hadith faible ou un hadith mensonger. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus. Ou bien le hadith est authentique, la preuve est authentique, mais elle est mal utilisée. Elle est hors contexte. Ou alors, la preuve est bien utilisée, mais la règle religieuse est mal placée. Ces trois choses-là font en sorte que la chose est ambiguë. Elle n'est plus claire, comme si c'était un halal qui était clair ou un haram qui était clair. Alors, Allah dit tabaraka wa ta'ala, kulu min at-tayyibat wa a'malu salihah. Mangez des bonnes choses et faites des actes vertueux. Wa a'malu salihah. Quand Allah dit mangez des bonnes choses, at-tayyibat, tout le monde sait, plus ou moins, à quoi renvoie ce terme tayyibat. Il renvoie à tout ce qu'Allah a rendu licite. Naam, comme les fruits et les légumes. Comme toutes les choses, toutes les nourritures et toutes les boissons, sauf la petite liste qui a été interdite dans le Coran et à travers les hadiths du prophète. Donc le halal, c'est la base dans l'alimentation, dans les boissons, la base c'est la licéité. Naam. Et l'exception, c'est le haram. Pour preuve, Allah dit tabaraka wa ta'ala, il ne vous a été interdit que le sang, la bête trouvée morte, la viande de porc, etc. Donc ça veut dire que tout le reste est autorisé. Donc quand Allah dit kulu min at-tayyibat, c'est comme s'il nous disait mangez des bonnes choses que vous connaissez et qui sont claires pour tout le monde. Wa'malu salihah, et agissez avec la vertu ou en vous basant sur la vertu, c'est-à-dire des actes de vertu que tout le monde connaît, comme la prière, comme le jeûne, comme le hajj, comme la umrah, etc., etc. À l'opposé, on a le haram qui est clair. Allah dit tabaraka wa ta'ala, وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. En décrivant les serviteurs du Tout Miséricordieux, Allah dit tabaraka wa ta'ala, ce sont ceux qui ne forniquent pas. Non, ils ne forniquent pas. Donc la fornication est claire. Il est clair qu'elle est haram. Non, et celui qui la commet a commis un péché énorme. Maintenant, concernant les choses douteuses. Pourquoi les gens, justement, n'arrivent pas à se positionner sur ce qui est clair? Et pourquoi ils restent dans le flou? Pour quatre raisons principales. La première, c'est par rapport à un manque de science. Par rapport à un manque de science religieux. لِقِلَّتِ عِلْمِهِمْ. Un. Deux, لِقِلَّتِ فَهْمِهِمْ. Par un manque de compréhension de la religion et des textes religieux. Trois, لِسُوءِ قَصْدِهِمْ. Ils ont une mauvaise intention.
ils ont une mauvaise intention dans l'application de ces choses-là. Au final, ces choses-là leur sont douteuses. Et enfin, لِقِلَّةِ تَدَبُّرِهِمْ لِمَعَانِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ. Ils ne méditent que très peu sur le sens des versets et les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quatre causes. Leur manque de science, leur manque de compréhension, leur manque de réflexion et de raisonnement, et enfin, leur mauvaise intention. Ces quatre causes-là font qu'ils se retrouvent dans ces choses douteuses. Non, vous avez bien compris jusque-là ? C'est important ce que je dis, car ce qui va suivre est directement lié à ceci. Alors, comme je l'ai dit, ces choses douteuses, elles ne le sont pas pour tout le monde. Alhamdoulilah. Sinon, ceci serait intenté à la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous avons descendu sur toi le livre qui est explicite dans toute chose. Explicite dans toute chose. Et le prophète nous dit, il y a des choses douteuses. Comment corréler les deux choses ? Comment on lit les deux choses ? En apparence, il y a une contradiction. De même, Allah dit, tabaraka wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et nous avons fait descendre sur toi le livre afin que tu exposes aux gens ce qui leur a été révélé. Donc, nous voyons bien à travers ces deux versets que le Coran est explicite dans toute chose et que le prophète est venu expliquer le Coran dans toute chose. Malgré ceci, il y a des choses ambiguës. Alors, comment lier les deux choses ? La personne qui apprend un tant soit peu sa religion, consciencieusement, correctement, ces choses-là, ces choses douteuses vont se dissiper dans le temps. Mais quelqu'un qui reste en retrait de la science religieuse, cette personne-là sera toujours touchée par ces choses ambiguës. Et il ne cessera de demander la fatwa aux savants, dans le meilleur des cas. Alors, comme je l'ai dit, lorsque le prophète dit « beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses douteuses », mais beaucoup de gens les connaissent aussi, notamment les savants, les étudiants en sciences, bien que leur science soit moindre que celle des savants, alhamdoulilah, ils connaissent ces choses-là. Au regard des deux versets du Coran que nous avons cités, où Allah a clarifié toutes choses. Mais ceci pour celui qui fait l'effort d'aller chercher. Celui qui ne fait pas l'effort d'aller chercher, celui-là, il restera dans le flou et dans le doute. Alors regardez maintenant, ça c'est un état de fait. Le prophète a décrit une situation ici. Le halal est clair, le haram est clair, et entre ces choses-là, il y a des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ça, c'est un état de fait, un constat. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça, ça fait partie de son excellente pédagogie, il ne cite pas une chose, un mal, sans qu'il nous donne son remède. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne laisse pas les gens dans les doutes ou dans la perplexité. Au contraire, lorsqu'il décrit un mal, il donne toujours le remède par la suite. Sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit وَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ. Celui qui s'écartera de ces choses douteuses, alors il aura préservé deux choses. Sa religion et son honneur. Il aura préservé sa religion, c'est-à-dire il aura préservé sa relation entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. Comment ? Une personne est en face d'une chose douteuse, il ne connaît pas son caractère juridique. Est-ce halal ou haram ? Non. Qu'est-ce qu'il va faire ? Afin de préserver sa religion et d'éviter de tomber dans le haram, il va s'abstenir. C'est exactement le sens de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui se prémunit de ces choses douteuses, il aura préservé sa religion. Donc au final, il aura préservé sa relation entre lui et Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il aura préservé aussi son honneur. Car il est clair et net, les frères, barakallahu fikoum, que celui qui s'aventure dans les choses douteuses, il sera pointé du doigt par les gens. N'est-ce pas ? Quelqu'un qui fréquente des gens dont on connaît le manque de vertu, dont on connaît le caractère de perversité. Cette personne-là, il n'est pas pervers, mais il fréquente ces gens-là. Au final, il va être annexé à ces gens-là. On va le montrer du doigt. Pour quelle raison ? Car justement, il est dans les choses douteuses. Il provoque le doute dans le cœur des gens. Donc il a mis son honneur, il a mis son honneur sur l'étalage. Il a étalé son honneur aux yeux des gens jusqu'à ce que les gens le pointent du doigt en disant « Lui, on le voit dans tel endroit. Lui, il fréquente tel endroit. Lui, il fait ceci. Lui, il fait cela. » Non ?
Donc c'est très important de considérer les deux aspects. Un aspect vertical, ta relation entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala, et une relation plus ou moins horizontale et linéaire, c'est ta relation avec les gens. Elle est tout aussi importante. Car même si toi, tu n'as rien à te reprocher, mais le fait que les gens te pointent du doigt, alors ceci peut te décrédibiliser aux yeux des gens. Lorsque tu parleras, les gens n'attacheront aucune importance à tes propos. Lorsque tu voudras faire une nasiha, c'est-à-dire un conseil, prodiguer un conseil, les gens ne t'écouteront pas. Pourquoi ? Car on te pointe du doigt. Parce que tu es borderline, comme on dit. Tu es toujours sur la tangente. Tu fréquentes des gens bizarres. Ou tu fais des choses à la limite du haram. Ou des choses douteuses. Non. On pourrait donner un exemple très, très simple. Par exemple, en France, on a le problème de la viande halal, n'est-ce pas ? Halal, entre guillemets. Inch'Allah, pour certains organismes, alhamdoulilah, il y a un contrôle, c'est vérifié, c'est du sérieux. Mais pour beaucoup d'autres organismes, c'est plus que flou. Donc, si la personne, elle est laxiste sur ce domaine-là, qu'il ne s'étonne pas un jour que les gens le pointent du doigt. D'ailleurs, les salafs disaient à cet effet, « Man arada nafsahu littuham, fala yalumanna man asa'a bihi dhann. » Celui qui expose son âme ou sa personne aux accusations, alors qu'il ne réprimande pas celui qui le pointe du doigt et qui a une mauvaise opinion de lui. C'est tout à fait normal, c'est toi qui t'es mis dans cette situation. Donc pour sortir de ceci, le prophète nous donne la solution. Celui qui s'écarte de ces choses douteuses, il a préservé sa religion, sa relation avec Allah et son honneur, sa relation qu'il a avec les gens. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui s'aventure dans ces choses douteuses, il s'aventure dans le haram. Les savants l'expliquent de deux façons. Première façon, c'est le fait de dire que le simple fait de rentrer dans ces choses douteuses, c'est interdit en soi-même. Le simple fait de rentrer dans ces choses douteuses, c'est interdit en soi. Ça, c'est une explication chez les savants. La deuxième explication, c'est de dire le fait de s'aventurer dans ces choses douteuses est un moyen pour arriver au haram. La mécroix ? L'explication la plus plausible, c'est la deuxième, puisque le hadith ou la suite de la parole du prophète vient corroborer ceci. Donc, l'exemple qu'a donné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'exemple d'un berger qui fait paître ses moutons aux alentours et aux abords de son enclos. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dans le haram ? Non, il est toujours dans les limites de son enclos. Donc il n'a pas fait de haram. Par contre, il a ouvert une porte au haram. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'abri qu'une de ses bêtes aille paître dans l'enclos du voisin. Donc on voit bien qu'ici, on a plutôt la deuxième explication des savants. C'est celle qui est la plus plausible. C'est que ces choses douteuses, elles sont une porte ouverte au haram. Il convient de s'en prémunir et de ne pas ouvrir ces portes-là. Barakallahu fikoum. Puis le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et certes, chaque propriétaire, chaque roi a un domaine privé, un domaine. Et le domaine d'Allah, ce sont ses interdits. Allah, tabaraka wa ta'ala, écoutez bien, et ça, c'est là, ça nous renvoie à la précision du Coran, dans les termes qu'Allah a employés, tabaraka wa ta'ala. Allah dit concernant les interdits, tilka hududullah, voici les limites d'Allah, fala taqrabuha, ne vous en approchez pas. Ne vous en approchez pas. Ici, le verbe, il est très important. Ne vous en approchez pas. Il n'a pas dit ne les transgressez pas. Ne vous en approchez pas. C'est-à-dire même l'approche vers ces choses interdites est réprimandable. Alors que concernant les choses licites, Allah n'a pas employé le même terme. Allah dit « Tilka hududullah fala ta'taduha ». Voici les limites d'Allah, ne les transgressez pas. C'est-à-dire ne dépassez pas et ne faites pas plus que ce qui vous est demandé. Donc dans les interdits, Allah nous demande de ne pas nous approcher. Donc on voit bien qu'on a un sens supplémentaire. C'est l'approche vers le haram est interdite. À plus forte raison, le fait de commettre le haram. Alors que dans les choses licites, Allah nous demande seulement de ne pas dépasser, notamment par les innovations religieuses et l'exagération dans la religion. Toutes ces choses-là sont strictement interdites.
Je veux vous rapporter ici quelques paroles de Salaf qui viennent corroborer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les qualités des gens pieux, al-muttaqin, il y a le fait de délaisser le licite par peur de commettre l'illicite. L'imam al-Thawri, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, a dit: ces gens-là, ils ont été appelés muttaqin, c'est-à-dire gens pieux, dotés de piété, car ils se prémunissent de ce dont ils n'ont pas besoin de se prémunir. C'est-à-dire, ils se prémunissent du licite, des choses licites, alors qu'à la base, ils n'ont pas besoin de s'en prémunir. Mais pourquoi ils le font? Ils s'en prémunissent car ils ont peur que ceci mène au haram. N'avez-vous pas vu beaucoup de gens qui, lorsqu'ils font beaucoup de choses licites à la base, ils font beaucoup de choses licites et ceci les amène dans l'illicite? Ça, on le voit. Par exemple, quelqu'un qui mange tout ce qui existe, qui boit tout ce qui existe, qui s'habille avec tout ce qui existe, au final, il va commettre l'illicite, dans l'exagération, par exemple. Ou dans le durcissement du cœur. Donc, ce n'est pas tout ce qui existe et qui est licite que tu dois le faire. Tu dois délaisser beaucoup de licites pour te prémunir de rentrer dans le haram et être qualifié de muttaqin. Voilà le sens de la parole de l'imam Sofiane al-Thawri. Aussi, Hassan al-Basri, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala, a dit: la piété ne cessera d'habiter les gens pieux dès lors qu'ils délaisseront beaucoup de choses licites par peur de commettre l'illicite. Ils délaisseront beaucoup de choses licites par peur de commettre l'illicite. Donc, l'imam Hassan al-Basri nous dit que, en faisant ceci, la piété ne cessera d'habiter ces gens-là. Sufyan ibn Uyayna, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, ce sont les savants des trois premiers siècles. Il dit: le serviteur n'atteindra la réalité de la foi que dès lors qu'il dressera entre lui et l'illicite un rempart de choses licites et jusqu'à ce qu'il délaisse les péchés et ce qui lui ressemble. Je répète, écoutez bien, barakallahu fikoum. Le serviteur n'atteindra la réalité de la foi que dès lors qu'il dressera entre lui et l'illicite un rempart de choses licites. Non. Et jusqu'à ce qu'il délaisse les péchés et ce qui ressemble au péché. C'est-à-dire al-mutashabihat, chose dont on parlait tout à l'heure. Donc on comprend par cette parole du prophète que les objectifs ont le même statut religieux que les moyens qui mènent à ces objectifs. Non. Par exemple, on a des choses licites qui mènent vers l'illicite. Donc ces choses licites à la base deviennent illicites. Un exemple. Vous savez que en temps de fitna, de trouble dans la société, on ne doit pas faire circuler des armes. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ceci vient alimenter justement ces troubles et cette fitna. Un commerçant qui vend des couteaux, des armes blanches, à la base c'est licite, n'est-ce pas? Est-ce qu'en temps de trouble, son commerce est licite? Non, il devient illicite. Pourquoi? Car le fait de vendre ces armes-là, dans cette période-là, va ramener, va amener à l'illicite, au haram. Va contribuer au haram. Donc vous voyez bien que cette chose-là, à la base, ce commerce d'armes blanches, à la base, ou de couteaux, même de couteaux de cuisine, à la base, il est licite. Mais dans certaines situations, il devient illicite, car il mène vers l'illicite. Donc, cette règle-là, elle est importante. Ahkam al-wasa'il, laha ahkam al-maqasib. Puis le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, une chose à la fin de ce hadith pour clôturer cette parole. Et c'est la chose la plus importante, en fait. Le prophète a dit, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps le sera. Et s'il est corrompu, il est mauvais, alors tout le corps sera comme tel. Et ce morceau de chair, c'est le cœur. Car le cœur, dans le corps, il est comme un roi face à son armée. Si ce roi est vertueux, doué de piété,
alors son armée sera à l'image de ce roi. Si ce roi est corrompu, il soudoie ses sujets, alors son armée sera à son image. Donc, ici, c'est une leçon importante que le prophète nous donne, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous dire que la piété, au final, tu ne pourras l'atteindre que si tu réformes ton cœur avant tout. Tu dois porter l'accent sur réformer ton cœur. Comment réformer ton cœur? Et si tu réformes ton cœur, tes actes, les actes de ton corps suivront sans problème, sans que tu n'éprouves aucune difficulté. Le cœur, pour qu'il soit sain, il faut qu'il contienne l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la crainte d'Allah. Il faut qu'il aime ce qu'Allah aime et il faut qu'il déteste ce qu'Allah déteste, tabaraka wa ta'ala. Il aime Allah, il aime ce qu'Allah aime et il aime ceux, c'est-à-dire les gens qu'Allah aime. Il déteste ce qu'Allah déteste et il déteste les gens qu'Allah déteste. L'alliance et le désaveu. Aussi, ce cœur doit aimer l'obéissance, la piété, et il doit détester les interdits et les désobéissances. Voilà ce cœur, dès lors qu'il sera ainsi, alors les membres du corps suivront sans problème. C'est pour ceci que vous voyez que les pieux prédécesseurs, des fois on lit des histoires qui sortent dans l'entendement humain, ils passent ses nuits en prière sans problème. L'imam Masruq ibn al-Ajda'a, c'est un grand tabi'i et un des grands élèves de Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha. Lorsqu'il arrivait le soir après l'Aïcha, il donnait un temps pour sa famille. Donc il mangeait avec eux. Il avait une pièce dans sa maison et il y avait un rideau qui séparait cette pièce. Dès lors qu'il avait fini de manger, il avait donné le droit à sa famille. Il passait de l'autre côté, il tirait le rideau et il passait la nuit en prière. C'est-à-dire il donnait le droit à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faisait ça toutes les nuits. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Comment on comprend ceci? Alors que nous, des fois, on a du mal à se lever un quart d'heure. On commence déjà à avoir des fourmis dans les pieds. Ces gens-là, ils ne trouvaient pas de difficultés. Pourquoi? Car ils ont éduqué leur cœur d'abord. L'imam Ibn Munkadir disait, j'ai contraint mon âme pendant 40 ans. J'ai éduqué mon âme pendant 40 ans jusqu'à ce qu'elle ait rentré dans la rectitude. Pendant 40 ans, il a éduqué son cœur et son âme. Il l'a contraint jusqu'à ce qu'après, elle est rentrée dans la droiture. Donc quand cet imam-là, il dit elle est rentrée dans la droiture, c'est-à-dire que pour lui, les actes d'adoration étaient comme une seconde nature. Il les faisait sans éprouver aucune difficulté. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où la personne viendra avec son argent, ou ses biens plutôt, et ses enfants, et ceux-ci ne leur seront d'aucun profit, si ce n'est qu'ils viennent avec un cœur sain. Donc, celui dont les biens et les enfants profiteront le jour du jugement, sera celui qui viendra avec un cœur sain. Qu'est-ce que signifie un cœur sain ? Cheikh Abdur Rahman ibn Sa'di, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi, a expliqué ce verset coranique en disant, entre parenthèses, l'imam Abdur Rahman ibn Sa'di, lorsqu'il fait un tafsir du Coran, en fait, il fait une synthèse des explications des salafs. C'est-à-dire, celui qui veut aller à l'essentiel de ce qu'ont dit les salafs dans le tafsir, il revient au tafsir de Cheikh Abdur Rahman ibn Sa'di. Et comme le dit Cheikh Raslan Hafidallah Tabaraka wa Ta'ala, ce tafsir, c'est un tafsir salafi. Salafi, c'est-à-dire qu'il reprend la méthodologie, la croyance des pieux prédécesseurs. Non. Il dit, le cœur saint a pour sens celui qui est saint de tout polythéisme, c'est-à-dire préservé de tout shirk, de tout doute, de tout mal, et de l'amour du mal. Il est préservé de l'innovation religieuse et de la désobéissance. Voilà celui qui profitera de ses biens et de ses enfants le jour du jugement, car il sera venu avec un cœur qui se caractérise par ceci. Ceci implique que le cœur se caractérise par ce qui est en opposition à ceci, c'est-à-dire que son cœur doit être rempli de sincérité envers Allah, de certitude, d'amour du bien et
que l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala vient embellir son cœur. Voilà comment doit être le cœur du croyant. Puis il dit que sa volonté et son amour soient en adéquation avec l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et ce qu'il aime, et que ses passions soient en corrélation avec ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc mes frères, barakallahu fikoum, nous devons attacher une grande importance au cœur, car les cœurs, le jour du jugement, seront éprouvés, seront examinés. Allah dit tabaraka wa ta'ala, « Afala ya'lamu iza bu'athira ma fil kubur wa hussila ma fil sudur » Le jour où les tombes seront bouleversées, c'est-à-dire que les gens seront sortis des tombes et que ce qu'il y a dans les poitrines sera dévoilé, c'est-à-dire le cœur. Donc le cœur aussi sera examiné le jour du jugement. S'il est mauvais, Allah al-Musta'an. S'il est bon, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors la personne, Inch'Allah, doit être optimiste. Non. Voilà une synthèse de l'explication de ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith phare et un des fondements dans l'approche des lois religieuses. Comment la personne doit approcher les lois d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a quelque chose qui est en corrélation avec ce que nous venons de dire. C'est ce qu'on appelle « az-zuhd ». Az-zuhd, c'est l'ascétisme. On le traduit par l'ascétisme, « az-zuhd ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été questionné sur une chose très importante. Un homme est venu le voir et lui a dit « Ya Rasulallah, montre-moi une chose qui, si je la commets, si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. » Vous voyez bien qu'on voit toujours ici cette dualité, c'est-à-dire la verticalité entre toi et Allah, tabaraka wa ta'ala, et aussi cette approche linéaire des choses, on va dire. Alors, montre-moi une chose que si je la commets, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Alors, le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, détache-toi de cette vie d'ici-bas et Allah t'aimera. Et détache-toi de ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. Voilà le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie cette parole? Déjà, premièrement, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, détache-toi de cette vie d'ici-bas. Il y a beaucoup de gens qui comprennent mal cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci a conduit à de nombreuses dérives, notamment à travers les courants soufis. Détache-toi de cette vie d'ici-bas, ça ne veut pas dire se reclure dans une grotte, être détaché des gens, ne pas leur parler, ne pas les côtoyer, ne pas manger ce qu'Allah t'a octroyé, tabaraka wa ta'ala, parmi ses bienfaits. Bref, tu te mènes une vie difficile. Beaucoup de gens comprennent cette parole du prophète comme ceci. Détache-toi de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire vis en ermite. Ce n'est pas du tout le sens. Le sens voulu ici, détache-toi de cette vie d'ici-bas, détache ton cœur de l'amour de cette vie d'ici-bas. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu dire par cette parole que la personne doit être un ermite et vivre dans une grotte ou dans une caverne ou je ne sais trop quoi, alors le premier à l'avoir appliqué serait été le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète n'a pas du tout fait ceci. Bien au contraire, il a inciter les gens à vivre en société, avec des codes, avec des règles bien précises. Alors, la parole, le sens de la parole du prophète, c'est détache l'amour de cette vie-là de ton cœur. À ce moment-là, Allah t'aimera. Et wallah, et mes frères, le but ultime, ce n'est pas que tu aimes Allah, c'est qu'Allah arrive à t'aimer. Le but, c'est que tu gagnes l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah dit tabaraka wa ta'ala Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Dites si vraiment vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Suivez-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. À ce moment-là, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc on voit bien que le but ici, ce n'est pas que tu aimes Allah. Le but final, c'est que tu arrives à te faire aimer d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah t'aimera. Si tu suis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'aimera. Et lorsque Allah t'aura aimé,
il sera ton ouïe par laquelle tu entends, ta main par laquelle tu frappes, tes jambes par lesquelles tu marches. Et lorsque tu lui demandes, il te donne. Et lorsque tu cherches sa protection, il te l'accorde. Comme ceci a été rapporté dans le hadith Qudusi. C'est un but ultime. Il n'y a pas un musulman, faites l'essai. Il n'y a pas un musulman, vous lui posez la question, est-ce que tu aimes Allah? Il va te dire, bien sûr que j'aime Allah. C'est tout à fait normal, tout le monde prétend aimer Allah. Mais, dans la réalité des choses, ce n'est pas tout à fait comme ça. Si vraiment ton amour est sincère envers Allah, tabaraka wa ta'ala, alors, normalement, tes paroles, ta croyance et tes actes doivent le prouver. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, tabaraka wa ta'ala, dites vraiment, si vous aimez Allah, suivez-moi. Donc, au regard de ton suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ton degré dans le suivi du prophète, ton amour sera d'autant plus grand. Et ceci sera une preuve de ton amour envers Allah, et Allah t'aimera à ce moment-là, en fonction de ton suivi. Si tu arrives et tu dis j'aime Allah, mais H24 tu lui désobéis, et tu agis en non-conformité avec les textes religieux, alors ton amour est un amour mensonger. Donc, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, détache-toi de cette vie d'ici-bas, et détache ton cœur de l'amour de cette vie d'ici-bas. Car wallahi, mes frères, quand le cœur est attaché à cette vie d'ici-bas, il mène la personne à sa perte. Il mène la personne à sa perte. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si le cœur est corrompu, alors tous les membres du corps le seront. Allah, tabaraka wa ta'ala, a qualifié cette vie d'ici-bas, il a utilisé le terme de dunya. Dunya, ça veut dire la plus basse. En fait, dunya, ça veut dire la plus basse. Temporellement, elle est plus basse dans le sens elle précède la vie future, mais aussi en degré. Cette vie d'ici-bas, elle est vile, elle ne vaut rien aux yeux d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle ne vaut strictement rien. Pour preuve, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si cette vie d'ici-bas avait aux yeux d'Allah ne serait-ce que le poids de l'aile d'un moustique de valeur, alors Allah n'aurait permis à aucun mécréant de boire une seule gorgée d'eau. Pour vous montrer que cette vie d'ici-bas n'a aucune espèce de valeur auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La seule chose qu'il y a de valeur dans cette vie d'ici-bas, c'est ce qui rattache à l'au-delà. Les actes d'adoration, le rappel d'Allah, toutes ces choses-là. Tout ce qui te rattache à l'au-delà, ceci a de la valeur. Mais tout ce qui est intrinsèquement lié à cette vie d'ici-bas, qui n'a aucun rapport avec l'au-delà et qui t'éloigne de l'au-delà, alors ceci est maudit. Allah a maudit cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient, sauf le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ala. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, « Bal tu'thiruna al-hayata al-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. » Mais vous préférez cette vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur pour vous et plus durable. Wallah, mes frères, quand je vous cite une parole tout à l'heure d'un grand savant, si on met sur les plateaux d'une balance cette vie d'ici-bas avec tous ses plaisirs et l'éternité, non. Est-ce que la personne va mettre 10 minutes pour choisir? Le choix, il est déjà tout fait. Malgré ceci, on agit pour cette vie d'ici-bas et on délaisse l'au-delà. Bien qu'on est conscient de ceci. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Vous voulez les parures et les choses de cette vie d'ici-bas alors qu'Allah veut pour vous l'au-delà. Allah nous a créés pour l'au-delà. Il ne nous a pas créés pour cette vie d'ici-bas, barakallahu fikoum. La preuve, c'est qu'on va mourir. Pourquoi s'attacher alors? Non. Qu'est-ce que 80 années, 70 ans, 90 ans, 100 ans devant l'éternité? C'est rien du tout. Délaisser l'interdit et les voies qui y mènent n'est ni plus ni moins que la piété. Cette piété entraînera cet ascétisme, ce zohd, un détachement de l'amour, des plaisirs de cette vie d'ici-bas. Et à ce moment-là, lorsque tu auras délaissé les jouissances de cette vie d'ici-bas, Allah t'aimera. Allah t'aimera car tu te seras efforcé de lui plaire en observant ses commandements et en te détachant de tout ce qu'il n'aime pas, tabaraka wa ta'ala. Izhad fi dunya yuhibbak Allah, wazhad fi ma inda an-nas yuhibbak an-nas. Aussi, cet ascétisme, les savants l'ont expliqué de plusieurs façons. Donc je ne veux pas vous ramener ici toutes les définitions qui ont été données sur le zohd,
Je vais vous donner les principales, notamment celle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui, on va dire, est celle qui englobe toutes les autres, qui est la plus globale. Certains ont dit que le zuhd, c'est de délaisser les interdits et d'observer le licite. Ça revient à la piété, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure. D'autres ont dit, c'est de délaisser toute cette vie d'ici-bas et s'adonner exclusivement à l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et enfin, celle que, sur laquelle je me suis arrêté, et d'ailleurs, Cheikh Salih al-Sheikh a dit que c'est la meilleure définition de zuhd qu'on puisse donner. C'est celle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, az-zuhd, c'est que tu délaisses ce qui ne t'est pas profitable pour l'au-delà. C'est que tu délaisses tout ce qui ne te sera pas profitable dans ta vie future. C'est ça le zuhd. Et là, ça ouvre une question très importante. Les savants s'accordent à dire que al-muwaffaq man ja'ala 'adatihi 'ibadat wal-mahzoul man ja'ala 'ibadatihi 'adat. Al-muwaffaq, celui à qui Allah a donné la réussite, c'est celui qui aura réussi à transformer ses actes de la vie de tous les jours en adoration. Et celui qui a été délaissé par Allah, c'est celui qui a considéré ses actes d'adoration comme des actes de la vie de tous les jours. Je m'explique. Vous voyez qu'on est au mois de Ramadan. Tout le monde ne jeûne pas pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y en a qui jeûnent car c'est un acte d'adoration. Ceux-là, inchallah, seront récompensés. Il y en a d'autres qui jeûnent parce que ses parents l'ont forcé à jeûner. Il y en a d'autres qui jeûnent parce que c'est une tradition de chez nous. Il y a d'autres personnes qui jeûnent car s'ils ne jeûnent pas, c'est la honte. Bref, il y a plusieurs raisons. Donc ces catégories-là, toutes ces personnes-là qui jeûnent, mais qui ne jeûnent pas pour Allah, qui n'ont pas considéré ce jeûne comme un acte d'adoration, ces gens-là, en fait, ils ont été délaissés par Allah, tabaraka wa ta'ala. Car en fait, ils se fatiguent pour rien du tout. Donc il va faire cet acte-là, mais il n'en tirera aucun bénéfice auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est le contraire. C'est ceux qui auront réussi à faire de leurs actes de la vie quotidienne des actes d'adoration. Comment ? Avec l'intention qu'ils ont formulée dans cet acte-là. Dans des choses banales. Dans le fait de manger, dans le fait de boire, dans le fait de s'habiller, dans le fait de faire du sport. Si tu exprimes une intention par laquelle tu te rapproches d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors cet acte-là devient une adoration à part entière. Par exemple, le sport. Beaucoup de personnes considèrent que le sport, ça fait partie des choses de cette dunya. Elle n'a aucun rapport avec la religion. Il n'y a pas de mal, inchallah, tant que ce sport est licite. Mais si on aborde le sport avec une autre optique, c'est-à-dire qu'une autre intention, et on dit que ce sport-là, en fait, je le fais afin de me fortifier pour accomplir mes actes d'adoration correctement. Alors dans ce cas-là, le sport que tu es en train de faire devient un acte d'adoration en lui-même. Et tu es récompensé dans celui-ci. Rappelez-vous, nous avons cité la règle tout à l'heure. Le statut juridique des moyens est le même que le statut juridique des objectifs. Si ton objectif est louable et que tu as besoin de faire quelque chose pour y arriver, alors ce moyen-là devient aussi louable, car il t'a amené à quelque chose qui est louable. Donc, la personne, au final, elle peut faire que toute sa vie est une adoration. Comment ? Avec la niyya. Le prophète n'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Innama al-a'malu bin niyyat » Les actes ne valent que par les intentions. Sallallahu alayhi wa sallam. J'achète à manger, j'achète de la viande pour mes enfants. Non, c'est un acte banal, on va dire. Mais si je formule l'intention dedans, en disant, je les nourris de la meilleure des façons, pour qu'ils soient prêts et aptes à adorer Allah de la meilleure des façons, pour qu'ils puissent se lever la nuit, pour qu'ils puissent jeûner correctement la journée, etc. Pour qu'ils puissent faire le hajj correctement, ils ont besoin de force. Si je mets cette intention, même dans l'achat de cette viande ou de ce pain ou de ce que vous voulez, même dans ceci, je suis récompensé, Inch'Allah. Cette personne-là, les savants disent qu'il est muwaffaq, c'est-à-dire Allah lui a donné la réussite dans toute chose. Cheikh Uthaymin explique très bien ces choses-là. Il dit, peu de gens, malheureusement, pensent à ça. Non. Donc, Cheikh l'Islam a dit, az-zuhd, l'ascétisme, c'est de délaisser
ce qui ne te sera profitable dans l'au-delà. Sur la base de ceci, toute personne qui agit dans cette vie d'ici-bas, dans le licite, taïb, on ne va pas dire que c'est du haram, mais en tous les cas, on ne pourra pas dire, et c'est la moindre des choses, on ne pourra pas dire qu'il a fait preuve d'ascétisme. Sauf s'il a formulé une intention dans cette chose-là et il cherche à se rapprocher d'Allah dans celle-ci. Dans ce cas-là, on dira qu'il aura fait preuve d'ascétisme dans cette chose-là. Non. Donc, vous voyez bien que l'ascétisme, ce n'est pas s'interdire le licite. Ce n'est pas du tout ça. L'ascétisme, ce n'est ni plus ni moins que calquer son comportement à celui du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, délaissait les choses licites? Non. Le prophète se levait la nuit et il dormait. Le prophète jeûnait et il rompait le jeûne. Connaissez-vous l'histoire de ces trois jeûnes? Ces trois sahabis qui sont partis voir les épouses du prophète, ils lui ont demandé comment était le prophète chez lui. Alors eux, ils ont cru que le prophète chez lui était dans l'adoration H24. Ils s'attendaient à ça. Et les épouses du prophète, par une, leur ont dit, le prophète, il faisait ceci, des fois il faisait cela, des fois... Il avait le comportement d'un homme normal chez lui. Là. Alors ils ont été, comment dire, un petit peu déçus. Ils s'attendaient à beaucoup plus. Alors ils se sont dit, mais le prophète est comme ça car Allah lui a pardonné ses péchés. Donc il peut se permettre de lever le pied, on va dire. Quant à nous, on n'a pas cette faveur d'Allah. Allah nous a pardonné nos péchés passés et futurs. Donc nous, on va devoir redoubler d'efforts. Donc il y en a, il a dit quoi? Il a dit, moi, je ne me marie plus avec les femmes. Le deuxième, il a dit, moi, je jeûne sans interrompre le jeûne. Et le troisième, il a dit, je prierai toutes les nuits sans dormir. Alors ceci est arrivé aux oreilles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète les a rectifiés, les a repris tout de suite en disant, moi, je me marie avec les femmes. Je romps le jeûne et je jeûne. Et je dors la nuit et je me lève. Celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie des miens. C'est ça l'ascétisme, les frères. C'est être en adéquation, en corrélation avec le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, ça voudrait dire qu'on prétend être plus ascète que l'envoyé d'Allah. Et ceci, bien sûr, est impossible. Non. Par contre, et ça c'est l'autre extrême, et j'en ai parlé tout à l'heure, s'adonner à tout ce qui est licite, ça c'est contraire à l'ascétisme. S'adonner à tout ce qui est licite, ceci est contraire à l'ascétisme. On ne va pas dire que c'est haram, on va dire que c'est une porte au haram, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais en tout cas, on ne va pas dire que tu as fait preuve d'ascétisme dans ceci. Wallahi mes frères, celui qui s'adonne à tout ce qui est licite autour de lui, son cœur va durcir. Son cœur va durcir. Pourquoi? Car tu vas être amené à aimer cette vie d'ici-bas. C'est comme si tu plonges dans une piscine et tu espères ne pas être mouillé. C'est impossible. Si tu plonges dedans, c'est sûr que tu vas être mouillé. Il faut que tu t'y attendes. Ici, c'est la même chose. La personne qui s'adonne à tout ce qui est licite, permis, celui-là, son cœur, il va être touché sans aucun doute. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, à cet effet, « وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى » Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, « Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains d'entre eux comme décor de la vie d'ici-bas. Ne tends point tes yeux. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ » C'est-à-dire, ne désire pas ces choses-là avec avidité. Ces choses-là, Allah tabaraka wa ta'ala ne les a mis en place que pour éprouver ceux qui doivent être éprouvés. Non. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Cheikh Sa'di rahmallahu tabaraka wa ta'ala dit en commentaire de ce verset, ceci est une allusion sur le fait que le serviteur, dès lors qu'il voit en lui un désir vers la parure de cette vie d'ici-bas et un engouement pour l'atteindre, doit l'évoquer face à ce qui lui octroiera son Seigneur et qu'il pèse entre ceci et cela. C'est-à-dire, lorsque tu es face au plaisir de cette vie-là, tu dois te remémorer ce qu'Allah t'a promis dans le paradis et tu dois comparer.
Normalement, si tu as un tant soit peu de foi dans ton cœur, tu devrais faire un choix rapidement. C'est-à-dire délaisser ces choses-là et préférer ce qu'il y a auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah aussi dit une chose importante. Il dit وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَسِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Allah dit tabaraka wa ta'ala, et recherche, écoutez bien, c'est très important ce verset, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière, et n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici-bas. Recherche dans ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Écoutez ce que dit Cheikh Abdul Rahman bin Sa'di rahmallahu tabaraka wa ta'ala. Il y a à travers l'argent et les biens un moyen pour gagner l'au-delà. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Lorsqu'on met une niya, tout dépend de la niya que tu mets dans l'acte que tu vas faire. Dans ton argent et dans tes biens, tu as un moyen dans ceci de gagner l'au-delà. Avec ta niya. Cheikh Sa'di dit, il y a à travers l'argent et les biens un moyen pour gagner l'au-delà qu'autres ne possèdent pas. Recherche par ces biens ce qu'il y a auprès d'Allah. Fais aumône et dépense, et ne te restreins pas à la dépense pour combler tes passions. J'ai 100 euros. Dans ces 100 euros, je les dépense juste pour combler mes passions et mes désirs de cette vie d'ici-bas. Alors qu'Allah te dit, dans cet argent-là, fais en sorte de gagner le paradis avec. Par plusieurs choses. Soit tu le dépenses, fils Abilillah, tu le donnes aux pauvres, t'en fais aumône, une œuvre de charité, bref, tous les moyens vous connaissez. Ou alors, tu le dépenses, mais avec l'intention de gagner ou d'en faire une chose qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. Comme par exemple, nourrir ta famille, dans l'objectif qu'ils soient plus à même d'accomplir les actes religieux correctement. Bref, les voies de bien sont nombreuses et innombrables. C'est ce que dit ici, Cheikh Abdul Rahman ibn Sa'di. Fais aumône et dépense et ne te restreins pas à la dépense pour combler tes passions ou obtenir des plaisirs. Et n'oublie pas ta part dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire, nous ne t'obligeons pas à dépenser l'ensemble de tes biens pour qu'au final, tu te retrouves sans rien. Mais dépense plutôt pour ta vie future et profite de cette vie-là, non au détriment de ta religion et de la perte de ta vie future. C'est-à-dire, même l'argent que tu dépenses dans cette vie d'ici-bas, tu ne le fais pas au détriment de ta religion. Tu ne le dépenses pas dans l'illicite, dans le haram, dans la désobéissance. Mais dépense-le aussi dans le convenable et dans les choses licites. Toute chose dans la mesure, barakallahu fikoum. En conclusion, il apparaît clairement que le zuhd, l'ascétisme, ne signifie nullement être pauvre, comme le conçoit les soufis, ou alors délaisser l'argent, ou alors se détacher de cette vie d'ici-bas et vivre en reclus. Mais le zuhd est l'attachement du cœur à l'au-delà. Et le détachement de celui-ci, de cette vie d'ici-bas, de telle sorte que cette vie d'ici-bas sera entre tes mains et non pas dans ton cœur. Une différence de taille dans le fait que la dunya est dans ton cœur ou dans tes mains. Si elle est dans ton cœur, c'est elle qui va te diriger. Tu seras une victime. Elle te dit va à droite, tu vas à droite. Elle te dit va à gauche, tu vas à gauche. Elle te dit assieds-toi, tu t'assois. Elle te dit lève-toi, tu te lèves. Tu es une victime de cette dunya dès lors qu'elle a imprégné ton cœur. Par contre, si cette dunya est dans ta main, alors elle est en ta possession. Tu ouvres ta main, tu la refermes, tu la jettes. Tu en fais ce que tu veux. Demain, elle te pose problème, tu la jettes. Demain, tu veux la reprendre pour l'intérêt de ta religion, tu la reprends. Bref, elle est dans ta main. Cette image-là, c'est l'image qu'Allah a donné les savants. C'est exactement ça, barakallahu fikoum, les frères. Il faut que tu sois maître de ta vie, maître de ton dunya, afin de gagner l'au-delà, inshallah, ou tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmed a été questionné. Une personne a 1000 dinars. 1000 dinars, 1000 pièces d'or. C'est une somme. 1000 dinars, c'est une somme. Alors la personne a dit, une personne possède 10 000 dinars. Est-ce qu'il est considéré comme un zahid, comme une personne ascète? Alors l'imam Ahmed a répondu de la sorte, écoutez bien. Oui, à condition qu'il ne se réjouisse pas si son argent augmente,
et qu'il ne s'attriste pas si celui-ci diminue. Vous avez compris? Il a 1000 dinars. Si son argent augmente, demain il a 2000 dinars, il s'en réjouit. Donc on voit que là, le cœur, il commence à bouger. Et demain, s'il n'a plus rien, ou il a 500 dinars, il est attristé. Donc en fait, il nous décrit quoi? Il nous dit quoi, l'imam Ahmed? Il nous dit qu'en fait, le cœur ici, il a l'amour de cette vie d'ici-bas. Si c'est le cas, on ne pourra pas dire de lui que c'est un zahid. Par contre, si cette somme-là ne lui fait aucun effet, qu'il a 1 million ou qu'il a rien, pour lui c'est la même chose. Alors dans ce cas-là, on dira que c'est un zahid. Le prophète n'a-t-il pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Ta'isa abdul dinar wa abdul dirham wa abdul khamisa, iza u'tiya rad wa iza lam yu'ta sakhit. » Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des beaux vêtements. Lorsqu'on lui donne, il en les réjouit. Et lorsqu'on lui reprend, il se met en colère. Le prophète l'a qualifié d'esclave. Esclave de cet argent. Esclave de cette dunya. Allah Musta'an. Je vais finir par deux paroles. Ce qu'a dit Hassan al-Basri. Il dit, celui qui aime cette dunya et s'en réjouit, verra l'amour de l'au-delà sortir de son cœur. Celui qui aime cette vie d'ici-bas et s'en réjouit, il se complaît dans cette vie d'ici-bas, il verra l'amour de l'au-delà sortir de son cœur. Aussi, Aoun ibn Abdillah a dit, cette dunya et l'au-delà dans le cœur sont comparables à deux plateaux d'une balance. En fonction de la lourdeur de l'une d'entre elles, l'autre se voit allégée. Plus l'amour de cette vie d'ici-bas est lourd, plus l'amour de l'au-delà est léger. Et vice-versa. Comme le système des vases, plus j'ai d'eau dans un vase, moins j'en ai dans l'autre. Ou le principe de la bouteille à moitié remplie. Plus j'ai d'eau, moins j'ai de vide. Plus j'ai de vide, moins j'ai d'eau. C'est exactement pareil. Plus tu aimes cette vie-là, moins tu aimes l'au-delà. Plus tu aimes l'au-delà, moins tu aimes cette vie-là. C'est le sens de la parole d'Abdullah ibn Aoun. Rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Et un poète a dit ce magnifique vers de poème. On finit par ça, Inch'Allah. En décrivant cette vie d'ici-bas. Il dit, « Ma hiya illa jifatun mustahilatun. Aliha kilabun hammuhunna jtithabuha. Fa'in تَجْتَنِبْهَا كُنْتَ سِلْمًا لِأَهْلِهَا وَإِنْ تَجْتَذِبْهَا نَازَعَتْكَ كِلَابُهَا. C'est-à-dire, cette vie d'ici-bas est comparable à un cadavre en décomposition. Autour de ce cadavre, il y a des chiens. Leur seul objectif, c'est de s'arracher cette viande. Si toi, tu t'écartes de ce cadavre, alors tu auras été préservé de ces chiens. Par contre, si tu cherches à prendre profit de ce cadavre, et c'est l'image de cette dunya, alors tu te rentreras en conflit avec les chiens autour. C'est-à-dire, si tu veux rentrer en conflit dans cette vie d'ici-bas, sache qu'il y a des gens qui œuvrent jour et nuit pour cette vie d'ici-bas. Tu rentreras en conflit avec eux. Par contre, si tu les laisses, alors tu vas les laisser se battre ensemble et s'entretuer ensemble. Allah tabaraka wa ta'ala. أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه ونسأله تبارك وتعالى أن يحببنا الإيمان وأن يحببنا الإيمان والطاعة وأن يكره في قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان ونسأله تبارك وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وقل رب زدني علما.